Brenna, que t'arrive-t-il ? Se précipita Brie en lâchant son ouvrage. Gwendoline, qui avait fini par s'assoupir sur le lit, fit un bond. La jeune femme regardait autour d'elle, sans comprendre. J'ai cru que des éclairs s'abattaient encore sur moi. J'ai ressenti la douleur, l'odeur du sang, tout. Calme-toi, tout va bien. Rassura Eloane en s'asseyant sur le lit, tandis que Brie lui caressait les cheveux. La porte s'ouvrit d'un coup sur Owen. J'ai entendu crier, qu'est-ce qui se passe ? Il s'arrêta net en voyant qu'il n'y avait aucun danger. Pardon. Je pensais que c'était grave. J'ai juste fait un cauchemar, soupira Brina. Pourquoi faut-il que je revive les pires moments de ma nouvelle vie en cauchemar ? Ton esprit n'arrive pas à plonger dans des souvenirs plus anciens. Tes rêves sont influencés par ce que tu vis en journée. Au fil du temps, tu verras qu'ils seront plus divers. Mais pour le moment, c'est surtout à base de sang, de mort et de surnaturel, parce que ce sont des éléments très présents actuellement. Expliqua la femme rousse. Je veux des journées paisibles où il ne se passe rien d'autre que de bons moments. Tu en auras, c'est certain. Bon, comme il n'y a aucun danger, je retourne en bas. Non, reste s'il te plaît. Mais Brenna... Je m'en fiche bien des Noël, il m'a déjà retiré la personne que j'aime, il ne va pas en plus m'arracher mon plus cher ami. Attends, quoi ? C'est en voulant nous séparer que tout ça y est arrivé. Si ton père ne veut pas qu'une nouvelle catastrophe ne se produise, qu'il me laisse au moins voir un ami, du moins, ne laisser paraître que l'amitié. Tu sais que tu me fais peur là. Pourquoi ? Père m'a fait une proposition très étrange tout à l'heure. Il m'a dit qu'il ne nous interdisait pas de passer du temps ensemble, mais qu'il voulait que nous lui jurions d'être des amis, uniquement des amis. Mais que si nous ne réussissions pas à garder une relation amicale, il nous séparerait de nouveau. Il peut aller se faire voir. Mais je dois bien reconnaître que ta présence m'aide beaucoup et pour éviter de mettre encore une fois ce navire et vos vies en danger, je suis prête à tenir ma parole qu'il ne se passera rien qui aille au-delà de l'amitié. Même si mon cœur hurle au mensonge en permanence, tentant d'agir en ami, je t'en prie, Owen, ce n'est pas pour ton père qu'il faut faire ça, mais pour moi. Je ne veux pas paraître égoïste, loin de là mon but, mais j'ai terriblement peur de détruire involontairement des vies ici. Je ne tiendrai pas, je le sais. Et s'il y a quelqu'un avec vous ? Questionna Brie. De un, ça rassurerait Noël. De deux, vous serez peut-être moins tenté. Et de trois, je pourrais vous couvrir au cas où. De toute manière, nous sommes très souvent au même endroit. Réfléchis, Owen. C'est d'accord. Je vais tout faire pour ne pas flancher trop vite, mais je ne peux rien promettre. Je vous couvre aussi. Assura Owen. Le capitaine ne m'apprécie pas. Mais il ne me fait pas peur, au contraire. J'ai très envie de lui dire ces quatre vérités en face. Brenna laissa échapper un sourire. Merci. Je ne sais pas non plus si je vais réussir à tenir, mais je ne veux plus faire de mal à personne. Si l'hostilité diminue entre Noël et moi, c'est déjà bien. Et puis, je ne sais pas comment ça va se profiler pour moi. Nous n'étions pas supposés nous rencontrer, alors il est vrai que l'on peut se demander si nous ne serions pas séparés un jour et possiblement pour toujours. J'espère bien avoir le choix, mais je n'en ai aucune certitude. J'étais prêt à prendre le risque. Je pensais que toi aussi. Si, je le suis, mais je ne veux pas que tu m'attendes en vain. On tourne en rond. Je sais, désolé. Owen serra la jeune femme dans ses bras. Ne t'inquiète pas, un jour, tu auras ton propre navire avec tes règles, tes lois. J'attendrai ce jour-là et nous rattraperons le temps perdu. J'espère que ça se réalisera. Le jour où tu auras ton propre navire, je serai ravie d'être le médecin de ton équipage. Annonça Brenna. Et moi, je pourrais être capitaine ? Demanda Gwendoline en sautant à genoux sur le lit. Ce sera Brenna, la capitaine. Corrigea Owen. Oh, la seconde alors ? La vraie petite dauphin, mais si je dois avoir une seconde, ce sera Eloen, si elle est d'accord. Mais si tu veux, tu m'assisteras, je t'apprendrai tout. Un jour, tu seras capitaine, mais de ton navire. Oh oui, j'ai si hâte. Quelqu'un frappa à la porte. Qui est là ? Demanda la femme rousse se rappelant les draps par terre. Et Noël. Attendez un instant. Tout sous le lit. Murmura Eloen tandis que la mère de Gwendoline hochait la tête. Les deux femmes se hâtèrent de tout cacher sous le lit avant d'ouvrir la porte. Je viens voir comment va Brenna. Si elle ne veut pas de ma présence, je m'en vais.
La femme médecin interrogea son amie du regard. C'est bon, ça va aller, assura-t-elle. Brynn ouvrit la porte complètement et le capitaine entra. Je suis heureux de voir que tu vas bien et que tu n'as plus aucune blessure. Brenna, je suis sincèrement désolé. Je ne pensais pas provoquer d'aussi grandes souffrances. J'ai très mal agi de la mauvaise manière. J'ai pris conscience que la présence d'Owen à tes côtés est importante pour toi. Aussi, vous pouvez passer du temps ensemble, mais en tant qu'amis. N'essayez pas d'aller plus loin, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de devoir à nouveau vous séparer. Je ne veux pas que tu te blesses à mort une nouvelle fois. Même si tu me vois comme un monstre et que je t'ai déçu, je veux que tu saches que tu as toujours ta place à la barre et que tu comptes beaucoup pour moi. Je vous laisse en parler. Nous en avons déjà parlé, annonça la jeune femme, tentant de paraître neutre. C'est ce qui semble le plus sage pour éviter une nouvelle catastrophe. Vraiment navré. Non, c'est bon. Si personne n'en rajoute, tout se passera bien. Capitaine. Coupa Brynn de peur que la discussion s'envenime. Est-il possible de faire cas sur Sky une fois que nous aurons des voiles ? Nous n'avons plus aucun but. Oui, nous pouvons. Mais pour y trouver quoi ? L'île d'où vous venez est complètement ravagée. Vous ne pensez pas passer par là. Pourquoi voulez-vous y retourner? Pour avoir des réponses. Des réponses? Excusez-moi, c'est personnel. Mais s'il n'est pas possible d'y aller, ce n'est pas grave. Nous irons quand un miracle nous donnera des voiles. Il peut y en avoir un. Tenta Elowen. Venant de vous, certainement pas. Je ne lâcherai pas. Ça tombe bien, moi non plus. Pardon ? Et Noël détourna brusquement le regard et recula, le visage épris de tristesse. Il partit sans demander son reste. Quelqu'un a compris ce qu'il vient de se passer ? Questionna Elowen. Il y avait une larme qui coulait sur sa joue. Moi aussi, je l'ai vu, assura Brynn. Son comportement avec toi est tellement étrange. Il est peut-être amoureux ? Lança Gwendoline avec un petit sourire espiègle. Pour le peu qu'il me croise. Non, je ne pense pas. Elle vit que tout le monde se lançait des regards. Quoi ? Vous ne pensez tout de même pas que c'est ça ? Non, que ça expliquerait certaines choses. Comment ça, Brynn ? Et ce n'est pas impossible. Mais il va peut-être vite changer d'avis quand il s'apercevra que les draps ont disparu. Allez, au travail. Owen, tu nous aides ? D'accord. Ils ressortirent tous de sous le lit et continuèrent l'assemblage des tissus. Gwendoline aida à tenir les draps. Brynn parvenait à bouger un peu plus. Machinalement, elle toucha ses cheveux et ramena une mèche devant son épaule. Ne voyant plus le bout bleu, elle écarquilla les yeux de surprise. La panique l'envahit quand elle regarda une seconde mèche. « Non, non, non !» lâcha-t-elle au bord des larmes. « Ça ne va pas ?» questionna la femme rousse en relevant la tête. « Mes cheveux ! Pourquoi ils ne sont plus bleus ?»« Je regrette. » Les bouts ont brûlé sur une vingtaine de centimètres. La magie ne les a pas restaurés. Non, mais pourquoi tout s'acharne contre moi ? Elowen vint à nouveau s'asseoir à côté d'elle et lui pressa l'épaule. J'aimerais te dire que le bleu va revenir, mais je n'en sais rien. Tu veux qu'on essaye de soigner tes cheveux ? Je veux dire, avec la magie ? Brynn secoua la tête. Je ne suis plus blessée et je n'ai plus mal. Utiliser de la magie pour mes cheveux serait la gâcher. S'ils n'ont pas été soignés pendant que tu m'aidais, c'est qu'il n'y a rien à faire. Elowen ne put s'empêcher de passer un bras autour des épaules de la jeune femme. Elles restèrent ainsi quelques minutes, puis Brynn chassa la tristesse de son visage pour laisser place à la détermination. Donnez-moi des draps, je vais vous aider. Tu es sûre ? Oui, Brynn. Plus vite ce sera fait, et plus vite nous pourrons repartir. Dans ce cas, il faut retirer ceux du lit dans lequel tu te trouves. Elowen se leva et tendit la main à Brynn. Ça va aller pour tenir debout le temps que je retire tout ? Oui, oui. La jeune femme attrapa la main tendue et se mit debout, également tenue par la taille. La femme aux cheveux mauve et bleus tenta de la lâcher, mais Brynn tituba. Owen se leva d'un bond et prit la relève pour tenir son amie. Tu n'as pas encore repris assez de force, murmura-t-il. Elowen termina de retirer les draps et repositionna la couverture. La jeune femme se laissa presque tomber dans le lit. Tu es certaine de pouvoir nous aider ? Insista le fils du capitaine. Tu as été debout une minute et tu sembles déjà si fatiguée. Je veux vous aider. Tout le monde se remit au travail.
mais progressivement, Brenna s'endormait. Bryn lui retira l'aiguille des mains et la fit glisser dans l'eau. Le soir tombait. Nous n'avons toujours pas entendu le capitaine en colère, déclara Eloen. Il n'est pas retourné dans sa cabine. Il faudrait installer la voile avant qu'il ne s'aperçoive de quoi que ce soit. Vous avez besoin de combien de temps ? Demanda Owen. La moitié de la nuit, je dirais. Je vais voir où il est et le retenir. Merci. Tu pourras nous rapporter de quoi manger aussi ? Pas de problème. Le jeune homme quitta la pièce, se rendit sur le pont. Il se posa un instant en bastingage pour regarder le coucher de soleil. Tout va s'arranger, se persuada-t-il. En regardant autour de lui, il vit que le capitaine n'était pas là. Hé, hey, Gowan, interpella-t-il. Où est mon père ? Il est allé voir Brenna il y a plusieurs heures déjà, mais n'est pas remonté depuis. Oui, c'est vrai. Il est passé, mais ça fait longtemps qu'il est reparti. Sûrement à la cale, alors. Supposa le mousse. Tu sais quoi ? Viens avec moi. On ne sera pas assez de deux pour le retenir en bas. Vous manigancez quelque chose ? Tu veux en être ? Si c'est positif pour le navire et nous, évidemment que je veux en être. Nous sommes en train de faire une voile de substitution. C'est la meilleure chose à faire. Je comprends pas pourquoi le capitaine y prend. On a dû prendre tous les draps, y compris ceux de sa cabine. Il faut le retenir en bas encore quelques heures, le temps que la grand voile soit terminée. Il faudra mettre d'autres mousses dans la confidence pour qu'ils installent la voile. Je marche à 100%. Les deux compères descendirent à la cale et eurent la surprise d'y trouver le capitaine assis à un banc, une bouteille presque vide à la main. Père ? Owen était surpris de voir son père dans cet état. Il savait qu'avant sa naissance, son géniteur était souvent saoul, mais depuis qu'il devait s'occuper de son fils, il n'avait plus touché à une goutte d'alcool. Rendez-la moi. Octa et Noal, dont la tête peinait à rester droite. Père, de qui parlez-vous ? La femme que j'aime. Rendez-la moi. Mais nous ignorons où elle est. Non, je sais où elle est, mais pas elle. Il s'effondra sur le banc et la bouteille se brisa au sol. Père ! Paniqua Owen en le secouant. Il a l'alcool triste, fit remarquer Gowan. T'inquiète pas, demain il se réveillera avec un horrible mal de crâne et ne se souviendra probablement pas de cet instant. Mais il ne risque rien. C'est une bonne grosse murge, ça passera. Owen n'était pas convaincu, mais fit confiance au mousse. Ça t'est déjà arrivé ? Une fois. Mais je préfère me souvenir de mes soirées, alors j'évite de boire comme un trou. Jamais rien bu, réalisa Owen. Tu sais, tu perds pas grand-chose. Bon, je vais prévenir les mousses pour tu sais quoi. Bon courage pour terminer. Gowan retourna sur le pont et rassembla les mousses. Owen prit des fruits et toqua du coude à la porte de la cabine. Gwendoline lui ouvrit. Oh, plein de manger. Merci, Owen. Déjà ? S'étonna Brynn. Mon père est complètement saoul. Il dort sur un banc, là. Ça n'avait pas l'air d'être dans ses habitudes, pourtant. Il semblait très malheureux et voulait qu'on lui rende une femme. La mère de Gwendoline resta songeuse quelques instants et reprit sa couture. Il est bien plus torturé qu'on ne le pensait. Tu ne sais pas s'il buvait déjà avant notre arrivée ? Je ne l'ai jamais vu saoul. Et il n'a jamais touché à de l'alcool devant moi. Mais avant ma naissance, d'après l'ancien équipage, il était souvent ivre. Dès qu'ils arrivaient quelque part, c'était tournée générale. Et d'après ce que Brenna a raconté sur la nuit où je serais éventuellement apparu sur son navire, il était également sous l'emprise de l'alcool. Je ne te l'ai jamais demandé, mais tu as quel âge, Owen ? 19 ans, presque 20. Donc, ton père restait quasiment 20 ans sans toucher à une goutte d'alcool, et là, d'un coup, il se remet à boire. Toute une bouteille en plus. Vous pensez que c'est à cause de moi ? Demanda Eloen en pâlissant. Navré, mais tout concorde. C'est suite à votre petite altercation. C'est soit toi, soit Brenna. Mais je ne pense pas que ce soit à cause de Brenna. C'est après t'avoir parlé qu'il avait l'air triste. J'en viens à penser que j'ai fait une chose horrible, soupira la nouvelle recrue. Mais j'ignore de quoi il retourne, et Enoal n'a pas l'air décidé à dire quoi. Et si on mangeait ? S'impatienta la petite fille.
Owen lui tendit une pomme et du raisin. Les deux femmes ne tardèrent pas à faire une pause et tout le monde était en train de manger quand Brenna émergea. On n'a plus de fenêtre ? Remarqua-t-elle enfin en voyant que la pièce était éclairée par des lanternes et que des planches remplaçaient le verre. Un boulet des Gantrocker. Soupira Eloen. Oh oui, c'est vrai, je l'ai entendu. La jeune femme tourna machinalement la tête vers la petite fille, se rappelant qu'elle avait failli mourir. Ça va, petit dauphin ? Elle hocha la tête et grimpa sur le lit. Tiens, faut que tu manges ! Assura-t-elle en lui tendant deux pommes. Brenna, qu'en penses-tu être sur pied ? Questionna Brine en voyant que la jeune femme parvenait à bouger tous les membres de son corps. Demain, peut-être. Pourquoi ? Et Noël est complètement sous. C'est le moment ou jamais d'installer la voile et de prendre le large. Dans l'immédiat, je crains que ce ne soit compliqué, mais dans quelques heures, ça semble possible. Ça ira. Il n'aura pas dessoulé et même s'il se réveille, il ne pourra pas nous arrêter. Vous vous rendez compte que c'est une forme de mutinerie ? Réalisa Eloen. Nous nous apprêtons à reprendre la mer sans l'accord du capitaine. Nous ne faisons que guider le navire. L'ancre a été levée et techniquement, nous ne reprenons pas la mer. Nous continuons la route. Fit Brenna avec un air malicieux. Et Noël manque à son devoir en laissant le Galadgorm à la dérive sans que personne ne soit là-bas. D'ailleurs, il y a quelqu'un sur le pont apte à la manœuvrer ? Nous pouvons heurter n'importe quoi, n'importe quand. Tous se regardèrent, tellement obnubilés par la création d'une nouvelle voile que personne n'avait pensé au fait que le navire était en roue libre. Je vais voir, proposa Owen. Et dis aux mousses de venir, la voile est presque terminée. D'accord, Brine. Normalement, ils sont en mesure de l'installer même si elle n'est pas réglementaire. Je ne m'attendais pas à ça au réveil, soupira Brenna une fois que le jeune homme fermait la porte. Et Noël perd vraiment pied. Il est peut-être temps de recruter de nouveaux membres d'équipage. S'il se remet à boire, c'est plus qu'essentiel. Et surtout, quelqu'un d'autre qui sait manœuvrer un navire. J'espère que ce n'est que passager. Nous risquons de ne pas nous en sortir sinon. Si je pars, réfléchit Eloen, il redeviendra peut-être lui-même. Hors de question, s'écria Brenna. Tu ne vas pas partir vers un autre inconnu parce que monsieur perd les pédales en ta présence. Je suis sûre que c'est lié à la nuit où il a failli mourir à Sky. Si seulement il pouvait cracher le morceau. Il est assez simple de faire parler un homme ivre, susurra Brin. Sauf s'il n'a plus assez de conscience pour parler, rappela la femme aux cheveux mauvais bleus. Quelqu'un frappa à la porte, au concours à la discussion. C'est Gohan, Ronan, Darren, Carwin et Kailan. Vous pouvez entrer, affirma Brenna. La porte s'ouvrit. Owen vient de nous dire que la voile était prête. Et on veut aussi vous dire que vous pouvez prendre les hamacs pour faire votre voile. Annonça Ronan. Tout le monde agit dans le dos du capitaine. Même les mousses, oui. Ça ressemble en effet à une mutinerie, affirma la jeune femme. Mais nous sommes des gentils, pas vrai ? Il reprendra son rôle de capitaine quand il aura dessoulé. Tu es sa seconde, nous te suivrons. Annonça Kailan. Par contre, personne ne sait où nous sommes. Il faut installer la voile avant de ne plus rien voir. Soupira Gohan. Brin et Loen replièrent leur ouvrage qui s'étalait un peu partout. Tenez, je ne pense pas que ce soit assez grand. Ça ira. Assura le mousse en faisant signe à ses camarades de remonter sur le pont. Je crois que nous n'avons pas besoin de lier les hamacs entre eux. Réfléchit Brenna. On peut directement les accrocher sur le mât de misaine. Très bien. Nous allons y chercher. Gwendoline, tu restes ici. D'accord. Les deux femmes quittèrent la cabine et s'engagèrent vers la cale. Il a l'air mal en point. Soupira Eloen en passant devant le capitaine. C'est plus prudent de le mettre par terre et sur le côté. Au moins, il ne tombera pas. Brin attrapa Enoal sous les bras tandis que sa nouvelle amie le maintenait aux chevilles. Une fois qu'il fut par terre, la femme médecin le positionna sur le côté. Mais il dort ou il est évanoui ? Un peu des deux, soupira la femme rousse. La bouteille est cassée, je ne sais pas quel alcool il a bu. Il faudra sûrement le réveiller avec un seau d'eau. Bon, voyons voir ce que l'on peut faire. Les deux amies décrochèrent les hamacs un à un. Une fois que ce fut fait, elles se rendirent sur le pont.
La grand voile de Fortune était plus petite qu'à l'origine, mais les mousses arrivaient à la faire tenir. Loan vint à leur rencontre. D'après Brenna, on peut mettre les hamacs en misaine. Vous pouvez le faire ? Questionna Eloan. Tant qu'il y a des cordages, tout est possible. Mais le brouillard tombe vite. Brenna va pouvoir être à la barre. C'est encore un peu trop tôt, mais nous allons trouver une solution. On ne sait même pas où on est. Et Brenna, ne connaissant plus les noms des terres, ça risque d'être compliqué. Soupira Brenna. Un petit coup de pouce magique ne serait pas de refus. Marmonna le mousse. Si on veut rester discret vis-à-vis des Guntroker, plus de magie. Mais pourtant, Eloen a bien soigné Brenna, et pas de nouveau navire ennemi en vue. Ce n'était pas élémentaire, expliqua la concernée. Visiblement, il repère surtout ce qui est élémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On se cache dans le brouillard et on attend. Hé, mais ! Nous fonçons sur un rocher, là ! Cria Eloen en pointant du doigt un rocher pointu de plusieurs mètres de haut. Je cours chercher Brenna, répliqua Gohan en partant en tremblant. Il n'arrivera pas à temps. Eloen se précipita à la barre et fit éviter de justesse le rocher au navire. Brynn vit enfin la menace lorsqu'elle passa à quelques centimètres de la coque. Tu l'avais vu ? Lâcha-t-elle en la rejoignant. Évidemment, pas toi. Eloen, Brenna et toi voyez dans le brouillard, mais vous êtes les seuls ici. Personne de moi ou des mousses n'aurait pu voir ce qui arrivait. Et d'ailleurs, je disais au début que tu ne toucherais jamais à la barre. Mais nous venons de trouver notre troisième personne pouvant faire aller ce navire. À cette annonce, la femme aux cheveux mauvais bleus lâcha subitement la barre. Non, non, oublie. Je ne sais pas naviguer. Je ne sais pas faire aller un navire. Pourtant, tu viens de sauver la vie à quelques millimètres près. Ce n'est pas moi que tu vas convaincre que c'était la chance du débutant. Eloen. Quand Brenna t'a sorti de l'eau, portait des habits liés à un navire, et pas des habits de mousse. Tu avais un rôle important, c'est certain. Et si tu étais capitaine, toi aussi ? Impossible. Je n'ai aucune autorité, je panique pour un rien, et je m'effondre dès le moindre obstacle, persuadée que le franchir est impossible. Parce que tu es perdu, et c'est normal. Mais je peux te dire que tu as du caractère. Peu de personnes si franchement arrivées à bord oseraient tenir tête au capitaine. Tu ne te laisses pas faire, et tu n'as pas peur des conséquences. Je suis persuadée que tu as un grade très important là d'où tu viens. Cesse de te dévaloriser. On s'en moque du capitaine. Il n'est pas en état de protester ou de faire valoir son autorité. Actuellement, c'est Brenna qui a le commandement. Et si elle affirme que tu peux tenir la barre, Enoal n'a rien à dire, surtout que tu viens d'éviter que son navire ne finisse en miettes. Garde la barre. Eloen soupira, mais reprit tout de même le contrôle du Galiacorn. Dans la cabine, Brenna sourit. Elle savait qui était à la barre et cela la réjouissait, car elle n'était définitivement plus seule. Rassurée que quelqu'un veille à leur sécurité, les mousses terminèrent d'accrocher tant bien que mal les derniers hamacs au mât de misaine. Tout était prêt, mais la grand voile n'avait pas encore été déployée. Brynn était retournée voir la jeune femme et sa fille. Brenna avait dit qu'il fallait attendre qu'il fasse jour avant d'entreprendre quoi que ce soit, étant donné que personne ne savait où le navire se trouvait. Elle avait aussi dit qu'Eloen pouvait rester à la barre et qu'elle en prenait la responsabilité face au capitaine. Les premiers rayons du soleil apparurent. Le brouillard avait fini par se dissiper, laissant le scintillement de l'eau éblouir les mousses. Gwendoline s'était endormie sur le lit, à côté de la jeune femme qui n'avait pas tardé à retrouver le sommeil. Les mousses priaient pour que leur installation tienne le plus longtemps possible. Un navire fut aperçu au loin, mais continua sa route, sans s'intéresser au Galiacorn. Eloen avait décrit le drapeau et Brynn en avait conclu que c'était un navire danois et qu'il valait mieux demander conseil à Brenna. Owen alla chercher son amie et la trouva endormie. Il referma doucement la porte, mais entendit marmonner. Brenna ? Chuchota-t-il en rouvrant. Oui, quoi ? Je ne voulais pas te réveiller, mais il y aurait un navire danois à l'horizon. Est-ce qu'il fait voile vers nous ? Non, il continue sa route. Alors on s'en moque. Gwendoline émergea et vit la tête du jeune homme dans l'encadrure de la porte. C'est l'heure de manger ? Tu ne penses qu'à ça, toi, hein ? Sourit Owen. Non, ce n'est pas l'heure de manger. Mais l'heure de tester notre nouvelle voile, peut-être. Il fait jour depuis longtemps. Oh non, désolé, je me suis endormie. Soupira Brenna en s'asseyant. Hé, mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas mort d'homme et puis...
tu en avais bien besoin. J'arrive. Non, mais dors si tu veux, on va se débrouiller, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas pour la voile que je m'inquiète, c'est pour Enoan. Si tu dis que le soleil est levé depuis longtemps, ton père ne va pas tarder à se réveiller et il va être en courroux de voir que c'est Eloen qui le remplace. Mais tu vas pouvoir barrer ? Non, pas encore, mais je peux au moins être avec Eloen au moment où il y arrivera. Elle se mit sur le bord du lit, prête à se lever. Hé, attends que je te tienne au moins. Owen l'attrapa à la taille par précaution et la jeune femme se leva. Tu tiens ? Mes jambes sont encore faibles, mais avec toi ça va aller. Dites, je peux venir ? Demanda Gwendoline, n'ayant pas du tout envie de rester seule dans la cabine. Oui, bien. Répondit Brina en lui tendant la main. C'est ainsi qu'ils montèrent sur le pont. Soutenu par le fils du capitaine, sa seconde réussit à franchir l'obstacle des escaliers. Maman ! S'écria la petite fille en se précipitant vers sa mère qui était restée avec Eloen. Bien dormi ? Oui, mais je préfère quand la lune éclaire le lit. Ça fait moins peur. Si tu veux, ce soir, tu dormiras dans la cabine d'Owen. Oh oui ! Brynn leva la tête vers Brynn. Pas assez remise pour prendre la relève. Je sais, je n'en ai pas l'intention. Je veux juste être avec vous. Et je n'ai aucune contre-indication tant que tu n'entends pas de rester debout. Owen désigna une caisse devant le mât de pavillon et y conduisit son amie, qui s'y assit. Elle regarda autour d'elle et vit le navire d'Anna qui s'éloignait tranquillement. « Qu'est-ce qu'il y a à l'est de l'Islande ?» demanda-t-elle. « Eh bien, des îles. Et en grosse terre, il y a Nirhivit. Mais je n'y suis jamais allé. C'est le nom qu'il y a sur la carte de mon père. Je ne sais pas quel autre nom cette terre a et je n'ai jamais compris de quelle couronne il s'agit. »« Il faut aller au sud une fois aux îles Féroé et je pourrai guider Loen jusqu'à Skye. » »« C'est parfait ça. Le vent va vers le sud. » La femme aux cheveux mauvais bleus se tourna vers Brynna, qui hocha la tête. « C'est le moment de tester nos voiles. » Gohan fit signe aux autres mousses déjà en position. Tandis que le navire virait de bord, la grand voile fut déployée. Plus petite qu'à l'origine, mais tant que ça tenait le coup, c'était mieux que rien. La voile de drap se gonfla avec le vent. « Pourvu que ça tienne. » lâcha Owen en priant très fort. Tous les hamacs étaient eux aussi gonflés par le vent. Une minute passa et tout resta en place. La joie se lisa sur les visages. « En avant !» s'écria Eloen. « Vous me dites s'il y a des dauphins, hein ?»« Oui, Gwendoline, ne t'inquiète pas !» répondit sa mère. Une heure passa. Le vent avait faibli, mais la voile était toujours gonflée. Le soleil était haut dans le ciel. Il devait être pas loin de midi. Un fracas dans l'escalier attira l'attention de tout le monde. Enoal s'était réveillé et sentait très bien que son navire filait sur l'eau sans qu'il ne soit à la barre. Mais encore éméché, avec un énorme mal de tête, monter l'escalier lui avait paru plus facile que ça ne l'était en réalité. Tyrone et Darren vinrent l'aider à se relever. Il se dégagea rapidement en voyant Eloen à sa place. « Vous n'avez pas la permission !» hurla-t-il. « Dégagez de là. Vous quitterez le navire à la prochaine escale. » Il essaya de la pousser, mais elle résista. « Vous êtes encore sous et empesté l'alcool. Tant que vous ne serez pas sobre, je ne lâcherai pas la barre. »« C'est ce qu'on va voir. » Il leva la main, prêt à la frapper, mais Brynn attrapa un seau et lui jeta l'eau au visage. Le capitaine s'immobilisa, hébété. Brynna s'était levée et avançait vers lui. Owen se dépêcha de la rattraper, au cas où elle aurait besoin d'aide. Eloen a évité à votre navire de s'écraser contre un rocher. Étant donné que je ne peux pas encore tenir bien longtemps debout, elle me remplace. Je lui ai donné les droits. Et vous savez pourquoi ? Parce que vous êtes ivre depuis hier soir et avez laissé le Glaggorm à la dérive sans personne aux commandes. C'est pathétique. Vous enchaînez les erreurs depuis quelque temps. C'est vrai, tu as raison. J'ai failli... Je t'ai juré de ne plus boire, mais je n'ai pas pu tenir. Mais il est hors de question qu'elle soit à la barre. Il tourna la tête et vit la multitude de draps liés entre eux. J'avais pourtant été clair. Hurla-t-il en se tournant à nouveau vers Eloen. C'est moi qui l'ai ordonné. C'est pas Brynna. Arrêtez de vous en prendre à elle. S'il y a des comptes à régler, c'est avec moi. Rien n'a été fait sans mon approbation. Il fallait bien que quelqu'un la donne, étant donné que vous étiez complètement cuit. Eloen restera à la barre jusqu'à ce que vous ayez dessoulé complètement. Si vous continuez sur cette voie, ne vous étonnez pas d'être pris en duel tôt ou tard pour la garde de ce navire. C'est donc ça. Elle veut me prendre mon navire. Hocha-t-il. Comme si elle ne m'avait déjà pas tout pris.
Je ne parlais pas d'Eloen, mais de moi. Qu'est-ce que vous racontez? Ainsi donc, tu veux te battre avec moi? Je t'ai sauvé, Brina. Ce sera le cas si vous laissez une nouvelle fois ce navire à la dérive, sans vous soucier de ce qui peut arriver. Personne à la barre, personne en vigie, l'ancre levée, beau mélange, hein? Je ne sais vraiment pas comment c'est arrivé. Crois-moi, cela fait bien des années que je n'ai pas failli à mon devoir. Il suffit d'une fois. Père, allez vous coucher et revenez quand vous serez complètement lucide. Bon, tous les éléments sont contre vous. Il finit par hocher la tête. Mais alors qu'il s'apprêtait à quitter la dunette, Brine lui relança de l'eau froide en pleine figure. Mais je suis conscient là, arrêtez! C'est pour votre méchanceté gratuite envers Eloen. Le capitaine ne dit rien et s'enferma dans sa cabine. La femme aux cheveux mauve et bleus lâcha un soupir. Je suis de plus en plus convaincue que j'ai fait une chose horrible par le passé. Mais quoi? On ira par cracher le morceau, assura la femme rousse en reposant le récipient. Mais encore, je m'attendais à plus de réaction de sa part. Il lâche prise progressivement. Il était quand même à deux doigts de frapper Eloen, rappela Brina les sourcils froncés.